tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça y est, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, je m'en excuse. Parce que bon ben j'ai eu mon ordi qui était en panne. Voilà, maintenant il est réparé. Enfin, c'était le câble pour charger mon ordi qui était cassé. Donc je pouvais pas faire de vidéo. Donc voilà, je reviens avec vous pour une vidéo pour les revues anglaises. Donc c'est les revues que j'avais commandées fin novembre. Et je viens seulement de les recevoir. D'habitude je les ai en moins d'une semaine et là je les ai reçues seulement maintenant. Donc je commençais à m'inquiéter un peu. Donc le souci c'est que elles vont plus être d'actualité pour maintenant. Les tampons, tout ça, me serviront maintenant pour l'année prochaine. Tant pis. Et j'avais envoyé un email. Et du coup, la réponse de l'email, c'était un email automatique que j'ai reçu. Comme quoi, la boutique était fermée, donc en vacances, certainement. Et j'ai reçu un deuxième email hier, en même temps que j'ai reçu les revues, comme quoi elles étaient bien parties, effectivement, puisque je les ai reçues. Voilà, et qu'ils s'excusaient parce que la boutique était fermée et donc elles étaient parties avec un peu de retard. Voilà, bon, un peu. donc je vais vous les présenter. Donc, alors, je ne les ai pas ouvertes, je ne les ai pas regardées encore. Enfin, je vais prendre un petit couteau pour les ouvrir. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Alors, je me suis mis dans ma salle à manger pour avoir un peu de lumière, mais bon, désolée pour le bruit. Hein. Donc je les avais commandés au Black Friday, voilà, donc vous voyez ça remonte, hein, parce que Black Friday c'était le 11 novembre, donc c'était cette semaine-là, c'était pas le jour même, c'était dans cette semaine-là. Donc ça fait quand même plus d'un mois, voilà. Donc le premier, alors attends ma fifi, tu reviendras après si tu veux te montrer. Non, oh, ça y est, ça va commencer à monter des seins. Non mon pull, non mon pull. Tu m'as accroché mon pull, ben voilà, tu m'as accroché mon pull. Non, ça va. Mais merde, non. T'as intérêt d'être sage, hein, parce que c'est Noël dimanche, si tu veux ton cadeau. Alors voilà, le premier, c'est Creative Stamping. Voilà. Allez, nounours. Donc celui-là, bon, il fait un peu Noël, mais je peux m'en servir en dehors de Noël aussi. Voilà. Donc, attendez, on va enlever le plastique. Vous verrez mieux les tampons. Alors voilà. Vous voyez. Hop. Donc, non, vous ne verrez pas mieux. je vais prendre le carton. Voilà. Peut-être que ça ira mieux. Voilà. Vous voyez, donc il y a une planche entière de tampons, hein, comme d'habitude. Donc ils sont tout mignons. J'adore le petit nounours là. Il est trop rigolo. Il a ses petits vêtements, tous les petits pingouins. Il y a le petit bonhomme de neige, bon, la chouette. Donc la chouette, alors, je peux m'en servir n'importe quand. Bon, les petits pingouins, c'est plus l'hiver, le bonhomme de neige aussi. Bon, les petites phrases, il y a des phrases que je pourrais me servir entre deux. Bon, joyeux Noël, tout ça. Ça, bon, ce sera pour l'année prochaine, mais il y a quand même un happy birthday. Donc il y a quand même des tampons que je pourrais me servir pendant l'année, des petits cadeaux, tout ça, donc vous voyez. Donc ça va. Donc comme d'habitude, hein, il y a beaucoup de modèles de cartes. Alors là voilà le genre de modèle qu'ils font donc avec ces tampons. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Je me mets. Il est trop chou ce petit nounours. Il est trop rigolo. Alors, je vais vous montrer d'autres.
Voilà, encore ici, le nounours, hop, les petits pingouins. Donc les pingouins, bon, je peux peut-être les utiliser aussi en dehors de Noël. Hein, Là, un peu plus coloré. Oui. Donc bon, il y a toujours les publicités pour les tampons dans les boutiques, tout ça. Alors, il y a les prochains. Alors là, il montre, c'est celui qui sort en décembre. Donc il est déjà un peu plus sur le printemps. Là, vous voyez la planche. Voilà, donc c'est déjà plus des fleurs, des papillons, des oiseaux. Un hérisson. Voilà. Donc celui-là, je regarderai certainement pour le prendre. Ouais. Non, mais comme d'habitude, hein, y a des jolis modèles. Là, pour faire des. C'est quoi ça? Des petites cartes ou des petits marque-pages. Marque-place, pardon. Donc ça c'était le premier, donc Creative Stamping. Alors si ça vous intéresse, c'est le numéro 50. Alors le deuxième, il y a des tampons et il y a un classeur d'embossage. Et là, du coup, j'ai pu en prendre 3 et j'ai pas eu trop de frais de port pour une fois. Donc, tant mieux. Donc, voilà. Alors, le deuxième, c'est le Simply Cards and Paper Craft. Voilà, celui-là. Donc, toujours avec de jolis modèles. Donc voilà, ça c'est classeur d'embossage. Et les tampons, voilà, eux ça va, on peut s'en servir un peu toute l'année. Les oiseaux, lapins, le petit renard là, c'est tout mignon le petit renard. Le petit lapin aussi, les fleurs. Donc avec des happy birthday. Donc il y a un hello, un birthday, bunny, thank you. Donc celui-là, bon ça va, on va pouvoir s'en servir tout le temps. Et au niveau des modèles qui nous montrent. Donc celui-là, je crois que c'est un ancien numéro, c'est pour ça. J'ai pris dans les ceux qui étaient en promotion, qui sont affichés. Tu vas faire tomber la caméra. Là, excusez-moi. Voilà. Et là, on voit bien ce que donne l'effet du classeur d'embossage. J'espère que vous voyez bien la caméra. Alors, j'essaie de me mettre. Voilà. On est... Regardez, celle-ci, elle est toute mignonne, très colorée. Et... Là, avec le renard. Comme d'habitude, hein, sont toujours de jolis modèles. J'essaie de regarder s'il y en a d'autres. Ah, voilà, ça c'est top. La carte box. Là, il y a des cartes de Noël dessus quand même. Voilà, un peu en effet vitraux. Bon, il y a beaucoup de pubs. Hein. Alors là, il y a une explication pour faire une carte qui se déplie comme ça.
cette carte là, donc l'explication en image derrière en dessous. Sont toujours très très bien comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était le deuxième. Je mets des tampons dedans. Et le dernier, alors lui c'est 100% Noël, donc bah là je ne m'en servirai plus cette année. Bah, Noël c'est dans 3 jours, hein. Donc bon bah, c'est tout là, je ne ferai plus de carte de Noël. Donc c'est le Creative Stamping. C'est numéro 49. Donc, là. Je ferai des cartes, je commencerai à faire des cartes pour l'année prochaine. Et donc voilà la planche de tampon que je trouve juste magnifique, qui est pleine de détails. Allez. Elle est juste superbe. Le sapin, la couronne de l'Avent, boule de Noël, la botte du Père Noël avec les jouets dedans, l'étoile. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc, les modèles qu'ils font avec ces tampons. Donc là, ils ont fait des cartes un peu pastel. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait encore avec ça? Alors, j'essaye de trouver, voilà. Ici, vous voyez, une carte ronde, comme ça avec le sapin, là, hop. Donc, elles sont vraiment super belles. Donc, celle-là avec la petite botte du Père Noël. Ça donne vraiment de jolies idées, comme d'habitude. Vraiment magnifique. Et là, toujours des publicités pour des produits, des nouveaux produits. Et après, voilà. J'essaie de voir là. Bon, là, il y a des cartes aussi, mais pas avec ces tampons-là. Hein, vous voyez, avec d'autres choses. Voilà, donc c'était les trois derniers que j'ai reçus. Là maintenant, j'attendrai l'année prochaine pour en recommander. Je verrai. Je vais voir ce qu'ils vont sortir. Parce que là, pour les fêtes, bon, bah, c'est tout. Hein. Je ne vais plus en prendre, ça ne sert à rien. Je vais attendre qu'ils sortent ceux pour sur le printemps, voir ce qu'ils vont sortir aussi pour la. Non, non, ne te mets pas devant. Non, ne te mets pas devant. Ce qu'ils vont sortir pour la Saint-Valentin. Fifi, viens là. Viens avec maman ici. La Saint-Valentin et Pâques. Et il fait déjà noir dans la pièce. Si tu mets tes grosses frites devant, bah, on ne voit plus rien. Hein? Et si t'es pas sage, le Père Noël, il passe pas. Hein? Surtout que ton cadeau est déjà caché par là, par la pièce. Oui. Hein, ton cadeau est déjà caché. Elle n'a pas vu, je n'ai pas montré son cadeau. Elle l'aura dimanche soir. Ah oui. Elle t'aura ton cadeau dimanche soir. Non, te mets pas devant la caméra. Oh là 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 là. Elle a la gigote. Hein? Elle a la gigote. Ouais. Donc voilà, ben j'espère que ça vous a fait plaisir, que je vous ai montré donc ces dernières revues que j'ai reçues.
Là, je vais vous monter une vidéo que je devais monter quand mon ordinateur était en panne. Donc, je vais la monter aujourd'hui. J'essaye de faire mon possible. Ouh là là, pour que vous l'ayez. Non. Pour que vous l'ayez ce soir, mais ça va être juste. Mais pour demain, vous l'aurez, c'est sûr. Donc, ça va être sur le Mixed Media. Donc, là, j'ai fait deux tableaux. Un que j'ai. Alors, il y en a un qui a été offert à la première gagnante du concours. Voilà. Donc, vous ne l'avez pas encore vu. Donc, je vous ai fait une vidéo dessus, donc sur le déroulement de la fabrication de ce tableau. Et vous verrez sur la même vidéo, là j'ai pas fait la vidéo sur le déroulement, je vous ai fait des photos sur un tableau que j'ai offert à une amie, ma poulette. Vous entendez des fois dans les vidéos que je vous dis ma poulette, pour son anniversaire. Donc j'ai fait des photos. Du tableau que je lui ai offert donc pour son anniversaire. Donc vous les verrez également dans la vidéo que vous aurez demain. Voilà. Et j'ai deux, trois petits projets encore de tableaux que je ferai au courant du mois. Voilà. Donc en ce moment, je suis dans ma période Mix and Media. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Si je ne vous vois plus d'ici dimanche, bon, je pense que ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de Noël. Voilà. J'espère que vous allez être gâtés, hein, que vous serez bien entourés par votre famille. Et, ou pas. Mais pour, le principal, c'est que vous soyez, que vous passiez un bon Noël quand même. Nous, on fait Noël à deux, tranquillou, avec nos petits poilus, fifi et tout. Donc, ça nous va très bien. Et donc, et là, ben, je sais que j'ai un cadeau par mon mari, mais je ne sais pas quoi. Il l'a caché, mais bon, je ne peux pas fouiller la maison. Donc, je ne sais pas où il l'a caché. J'ai caché le sien aussi, donc voilà. Bon, je sais pas. Je vous le dirai dans une vidéo après Noël, ce que j'ai eu comme cadeau. Et là, en plus, je sais même vraiment pas. D'habitude, j'ai une petite piste. J'ai une petite piste sur ce que je vais avoir, mais là, je ne sais pas du tout. On verra. Donc, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros bisous. Fifi qui a la danse de Saint-Guy là, qui n'arrête pas de bouger, vous fait aussi de grosses léchouilles. Elle vous dit un bon Noël à tous. Elle fait des grosses léchouilles aussi à tous ses copains quatre pattes. Hein? Elle leur souhaite à tous aussi un joyeux Noël. Ah oui? Tu fais un joyeux Noël à tous tes copains quatre pattes? Oui? Oui? Et je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!